Donc, c'est le professeur Jawad Laslouj, professeur de physique chimie. Donc, ce cours s'intitulait « Le champ magnétique créé par un courant électrique » est réservé pour les élèves de première année technologie. Donc, vous avez déjà vu que parmi les sources des champs magnétiques, on trouve le courant électrique à côté des champs magnétiques terrestres. Donc, pour vous montrer qu'il y a un courant électrique ou un champ magnétique créé par un courant électrique, on va réaliser le circuit électrique suivant dans lequel on va montrer la présence du champ électrique, le champ magnétique créé par le courant électrique. Donc, le montage électrique comporte un générateur de force électromotrice E, donc un ampèremètre, un rhéostat, l'interrupteur et un conducteur rectiligne dans lequel on va placer une feuille perpendiculaire sur le conducteur rectiligne et on va disperser une poudre de fer. On va disperser une poudre de fer sur le papier perpendiculaire et on observe après la fermeture de l'interrupteur K le phénomène suivant. C'est-à-dire qu'on observe que le poudre de fer va se disperser d'une façon circulaire, ce qui montre qu'il y a un courant électrique. Et en même temps, on observe que l'aiguille aimantée va prendre un sens bien défini, ce qui montre qu'il y a l'existence d'un champ magnétique créé par le courant électrique. Donc les spectres du champ magnétique dans un conducteur rectiligne sont des cercles, comme montre la figure suivante, sont des cercles centrés par le conducteur rectiligne. C'est-à-dire que le centre de ces cercles sont le conducteur rectiligne. Donc, détermination du sens du vecteur du champ magnétique dans ce cas est déterminée par les deux méthodes suivantes. Alors, avant et pour les aimants, on a déterminé le vecteur du champ magnétique à partir du sud. Nord, dans ce cas, on va déterminer le sens du champ magnétique à partir des deux expériences suivantes. À partir de bonhomme d'ampère ou l'observateur d'ampère ou par la main droite. Donc, pour l'observateur d'ampère, c'est un observateur virtuel placé au lieu ou dans le conducteur rectiligne, dans lequel le courant électrique traverse le bonhomme d'ampère à partir du pied vers sa tête et il observe dans le point où on va déterminer le sens du point B ou du vecteur du champ magnétique B. Après l'observation, et le courant électrique traverse le corps de l'observateur du pied vers sa tête, il lève ou on lève la main gauche. Donc la main gauche, le sens de la main gauche indique le sens du vecteur P, comme indique la photo suivante. Deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la main droite. Donc on fixe la main droite de telle façon que le courant électrique sort à partir des doigts. C'est-à-dire que le courant électrique sort à partir des doigts et la paume de la main et orienté vers le point dans lequel on va déterminer le sens du vecteur P. Et après, on observe que la direction, le sens de la pouce, donc indique le sens du vecteur B, comme indique l'image suivante, c'est-à-dire qu'on détermine le sens à partir de ces deux méthodes. Donc, après la détermination du sens des spectres, on détermine l'intensité du champ magnétique qui est déterminée par la relation suivante. B dans un point M est égal à mu0c, la permittivité dans le vide,
divisé par 2π fois i divisé par le rayon du cercle, c'est-à-dire du spectre magnétique. Sachant que B est proportionnel avec l'intensité de courant I et inversement proportionnel avec le rayon du spectre magnétique. C'est juste pour le cas d'un conducteur rectiligne. Donc, deuxième cas pour une bobine plate. C'est quoi une bobine? Une bobine plate formée par l'épaisseur et par un rayon R, sachant que L, ou la longueur L, est très inférieure par rapport au rayon R. Donc pour montrer la présence du courant électrique, ou le champ magnétique dans ce cas, on va placer dans le circuit précédent le conducteur rectiligne par la bobine plate. Et on va fermer l'interrupteur K et on observe qu'il y a que la poudre dispersée est à près des formes bien déterminées. C'est ce qu'on appelle les spectres magnétiques. Donc les spectres magnétiques d'une bobine plate sont des lignes droites près du centre de la bobine et perpendiculaires à son plan et courbées lorsqu'on s'éloigne de son centre pour devenir ce qu'on appelle pseudo-circulaire et centré à près des fils conducteurs. Donc pour la détermination du sens de vecteur B, on détermine toujours le sens de P à partir des méthodes précédentes telles que le bonhomme d'Ampère ou par la main droite. Et on peut déterminer le sens du vecteur du champ B à partir de la détermination des faces de la bobine. Donc la détermination des faces, des deux faces, sont déterminées à partir de courant électrique. C'est-à-dire qu'on observe que le courant électrique traverse dans ce cas et on écrit la lettre correspondante et on suit le courant électrique. Dans ce cas, on observe qu'il y a l'écriture de la lettre N, c'est-à-dire que c'est la face N, nord. Par contre, deuxième cas, donc le courant électrique traverse la bobine dans ce sens, on écrit la lettre correspondante, on trouve S. Et à partir de la détermination de ces deux faces, sud, nord, on peut déterminer le sens de B comme la bobine stand sous forme d'un aimant caractérisé par sud-nord et le vecteur B, dans ce cas, va s'orienter de sud vers le nord. Donc, l'intensité du champ magnétique dans ce cas est égale mu0 divisé par 2 fois n fois i divisé par r. N, c'est le nombre de spires de la bobine. Et l'intensité du champ magnétique dans ce cas est toujours proportionnel avec le nombre de spires, proportionnel avec l'intensité de courant I, et inversement proportionnel par rapport au rayon de la bobine plate. Dans la troisième partie est réservée pour le champ magnétique créé dans un solénoïde. Donc c'est quoi un solénoïde? Donc un solénoïde, c'est constitué d'un fil conducteur enroulé et recouvert d'une couche isolante, comme indique l'image suivante, est caractérisée par un rayon et une longueur L. Donc, comme la bobine, mais dans ce cas, on observe que L est très supérieure au rayon R. Donc, c'est-à-dire que caractérisée par une longueur très importante. C'est-à-dire que R est inférieur à L. Et caractérisée aussi par un certain nombre de spires. Un nombre de spires. Donc, pour montrer le champ magnétique ou pour vérifier le champ magnétique dans un solénoïde, on réalise toujours la même expérience précédente, mais on place dans ce cas le conducteur rectiligne ou la bobine par un solénoïde et on ferme l'interrupteur K. Donc, après la fermeture de l'interrupteur K, on observe que la poudre dispersée sur le solénoïde est
après une forme bien déterminée. Donc, sa forme linéaire d'une ligne parallèle et après, au hors de solénoïde, on observe qu'il y a sa forme circulaire ou pseudo-circulaire. Donc, le spectre magnétique dans un solénoïde est donné par la forme suivante, c'est-à-dire au centre de solénoïde, on observe qu'il y a sa forme de ligne parallèle, ce qui montre que le champ magnétique dans ce cas est uniforme, c'est-à-dire on aura la même valeur de champ magnétique dans toute la partie inférieure de solénoïde. Par contre, lorsqu'on sort de solénoïde, on trouve une forme pseudo-circulaire. Donc on détermine toujours le vecteur ou le sens du vecteur du champ magnétique par les deux méthodes précédentes, comme le bonhomme d'Ampère ou par la main droite. Mais on peut aussi déterminer le sens de champ magnétique B, de vecteur de champ magnétique B, par la détermination des deux faces de solénoïde, telles que la face sud et la face nord, sachant que B toujours s'orienter de sud vers le nord. Et enfin, on va déterminer ce qu'on appelle l'intensité du champ magnétique à l'intérieur de solénoïde, c'est-à-dire que la valeur est une valeur constante pour dire que le champ est uniforme. Donc B dans ce cas est égal mu0 fois n fois i. Avec n, c'est quoi? C'est le nombre de spires divisé par la longueur L, ou ce qu'on appelle le nombre de spires par unité de longueur. Et à titre d'information, ne pas oublier que l'intensité B dans les trois cas est donnée par l'unité, le tesla.